La capitale se dote d'une carte multimodale de transport urbain en vue d'améliorer le service information voyageurs sur le réseau transport de l'agglomération d'Alger et organiser davantage le déplacement des usagers. Elle comporte des informations sur l'itinéraire de l'usager sur chaque mode de transport. Nous en avons 5 sur Alger, donc vous avez le réseau bus et TUSA, le réseau transport par câble, par train et par tramway. On a estimé indispensable et utile l'intégration des informations touristiques, incitant même que ce soit le citoyen de l'Algérois ou bien les visiteurs occasionnels à visiter beaucoup de sites qui nécessitent le détour. Les informations contenues dans cette carte sont également disponibles sur les smartphones via une application Android Irshidni qui veut dire « Oriente-moi ». Un raccourci virtuel aux multiples fonctionnalités qui informe les usagers sur les moyens de transport interconnectés en temps réel, sur les éventuelles perturbations ou retards survenus, mais pas seulement. On peut avoir l'ensemble de tarification de l'ensemble du réseau au niveau de l'agglomération algéroise, donc à savoir le métro, le tramway, le train de Beaulieu et le transport par câble. On peut avoir aussi l'ensemble des parkings existants au niveau de l'agglomération algéroise ainsi que leur capacité. Donc ça va nous permettre, on va dire, d'inciter les utilisateurs d'emprunter les transports en commun et de délaisser la voiture. Elle nous donne, on va dire, l'ensemble des pôles d'échange existants au niveau de l'agglomération algéroise. En marge de cette rencontre, un protocole d'accord a été signé entre les différents opérateurs portant sur le référentiel fonctionnel commun. Objectif, le lancement du ticket unique. Le ticket unique qui va permettre aux voyageurs de voyager simultanément sur les différents modes de transport en utilisant une seule et une carte donc, sans contact. Il y aura un seul et unique prix pour les utilisateurs de la carte multimodale. Il sera fixé en fonction des charges et des opérateurs et sera réparti par une chambre de concession en fonction des déplacements des usagers. Conçu et réalisé par l'autorité organisatrice des transports urbains, la carte est désormais disponible au niveau des kiosques de l'aéroport d'Alger, des aérogares, des différentes stations de métro, de train, de bus et de tramway.